Et bonjour à tous, c'est Akoris et on se retrouve sur Persona 5. Alors, j'ai des réponses à mes questions. Pour pouvoir monter le courage, il y a plein de façons différentes. Déjà, il y a effectivement réviser la bibliothèque, et ça on le savait. Et ça rapporte plus s'il pleut. Non, ça c'est la connaissance qui rapporte plus s'il pleut. Par contre, on va aller... Il y a aussi ce défi Big Bang Burger, que je n'ai pas pour l'instant, j'ai l'impression. Mais il y a aussi cette solution, normalement, qui est d'acheter une console qu'il n'y a pas dans la boutique d'occasion. On peut acheter normalement une console à la boutique d'occasion, et le fait d'acheter la console à la boutique d'occasion, ça permet ensuite de pouvoir... Ça permet ensuite de pouvoir jouer à des jeux qui eux-mêmes augmentent la compétence. Y'a un Shiba! C'est un vieux chien, donc il risque d'être trop dur pour lui. Mais si Kotaro n'y va pas, je n'y vais pas non plus. Ne dis pas ça, ton père a déjà pris tous les billets. Y'a un Shiba! Oh. Ah, on voit tellement que le Shiba, on le voit dans tous les jeux japonais, hein, soyons francs. On voit tellement là, que c'est une fierté. Bon, du coup, écoutez, vu qu'on est après l'école, je vais juste aller faire une révision. Pour la gentillesse, il faut que je passe du sang avec Sojiro. Ah, du coup, ça me permet de monter avec Sojiro et en même temps avec... en même temps, ça me permettra de débloquer plus tard pour elle. Bibliothèque. S'il y a du monde, on étudie. S'il y a personne, il y a l'air d'avoir du monde. Il y a beaucoup de monde. Bon, écoutez. Stimule la connaissance. Charme, je suis déjà bien, il me semble. Enfin, les deux, je suis bien, là. Le blabla, le béaba de la drague. Et cette photo de l'auteur, son sourire suffisant mérite. Je n'avais pas vu que tu lisais depuis si longtemps. Tu en es où? On dirait qu'il te reste des pages, on devrait continuer d'autres fois. Ça m'a pas augmenté le courage! Pourtant, il y avait du monde! Ah, ça sert à rien! Bon, du coup. Du coup. C'est pas là. Je sais plus comment on active le truc pour aller à la planque directe. Comment on fait ça déjà? Je l'ai activé la dernière fois. C'est pas ça. Ouais, Takemaki, je monte pas hein, avec Takemaki. Hein. Et avec elle, je peux monter le courage, il me semble. Et il me semble qu'avec elle, je peux monter le courage. Et il me faut courage et gentillesse là, à monter. Repère des voleurs. Et non, ça c'est pour... Ah. Non, ça c'est pour aller dans la version en ligne. Ah, je sais plus. Bah écoutez, on va... Je vais enclencher là, je vais aller bosser. On fera toujours monter des stats. Et puis on verra demain, ils vont me proposer de toute façon, donc on ira à ce moment-là. Du coup, il y a une tonne de clients qui débarquent. On va crouler sur les commandes, prends bien le temps de te temporiser.
Un grand bol de natto, ça, s'il vous plaît. Un bol de Wigoro, un grand, s'il vous plaît. Donnez-moi un bol barbecue. Qu'est-ce que je pourrais faire pour un bol barbecue moyen? J'ai pas retenu, hein. J'espère qu'il fallait pas que je... Oh putain. Un grand bol de natto. Le deuxième, c'est ça. Le troisième a demandé la même chose. Moyen. Et le dernier, c'est sur le barbecue. Oh merde. Bah, je suis sûr qu'il y en avait un deuxième. Ah putain. Mais ça va pas du tout, les clients attendent. Il me semblait qu'il y en avait eu deux. Bah oui, j'ai fait un peu n'importe quoi. Un employé surmené... Ah oui, mais c'est celui qui parlait. Un employé surmené, c'est à cause du tort au magasin qu'il emploie. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je m'en souviendrai. Laisse-moi... je laisse de quoi payer ici. Merci pour le service. Aïe, 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 aïe. C'était pas le politicien qui donne des discours devant la station. Il s'inquiétait des conditions de travail des employés. Eh bien, maintenant, tu sauras qui tu es. Il saura qui tu es. Tu devrais peut-être passer faire un tour devant la gare dans les jours prochains. Bon travail, il y avait beaucoup de clients aujourd'hui. C'était pas vraiment... C'était pourtant pas le jour du Yakiniku. C'est peut-être... Il y a peut-être un événement dans le coin. C'est pas comme ça tous les jours, je te rassure. J'espère que tu pourras revenir bientôt. Bon. Écoutez. Hein. J'ai perdu beaucoup de sous. Quel beau parleur, ce manager. Tu t'es très bien débrouillé tout seul. T'as fait quelques erreurs, mais c'est un bon exercice de maîtrise, non? Ouais, non, j'aurais pu avoir plus. Ah, rang 3 de la maîtrise. Bon bah écoutez, il faut vraiment que j'arrête de farmer la maîtrise là, parce que c'est cool hein, que j'ai 3 de maîtrise, mais c'est pas... Ouais, il faut que j'arrête de monter la maîtrise quoi. Comment on se retrouve? Tiens, j'ai quand même l'impression que tu fais profil bas en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne t'inquiète pas, je me fais sûrement des idées. Quoi qu'il en soit, j'espère que qu'on va rapidement démasquer le coupable. C'est idiot de penser que je peux remplacer la police. J'aurais dû réfléchir avant de me le demander. Ouais. Donc on a... Ah oui, d'accord. On saute carrément après l'école direct. Bah tant mieux, comme ça. Des plans pour... Ah voilà, ils sont tous les deux d'accord, moi. Tu vas aller au palais, je te laisse convoquer les autres une fois que tu auras décidé si on peut venir. Allez! Bon. Faut encore qu'on t'explique les bases, pas vrai, Yusuke? Oh, tu veux parler du métaverse et du navigateur? Ouais, c'est plutôt important, j'imagine. Je t'en prie, continue. Ok, on va reprendre depuis le début. Tout d'abord, les lieux de métaverse où on agit en tant que voleur fantôme sont appelés des palais. Les palais sont des mondes issus de la psyché d'une personne, une manifestation de leur réalité. Cela veut dire que chacun d'entre nous possède un de ces palais? Non, tout le monde n'en a pas, c'est surtout les personnes qui ont de puissants désirs pervertis. Les criminels en gros, les salopards, comme Kamoshida ou Madaram. En revanche, il est impossible qu'un palais puisse exister chez un utilisateur de Persona. D'accord. Ta persona représente tes vraies émotions qui se manifestent en dominant ton ombre intérieur. Vu que tu maîtrises complètement tes émotions, il est impossible que tes désirs soient pervertis. Mais alors c'est comme ça que ça marche? Bien sûr que je savais. Et ouais, on se sert de l'appli de navigation du métaverse de nos portables pour y rentrer. En fait c'est simple, tu donnes un lieu, un nom, un lieu et la distorsion d'une personne et tu y es. Le lieu. Par exemple, pour Madara, c'est Bicoque, et la distorsion, c'est qu'il croit que c'est un musée. Comment serais-je à quoi ressemble un palais si je n'ai jamais mis les pieds dedans auparavant? Cette partie-là, c'est un genre de quiz. C'est à partir de là que ça commence à se corser. Je pense qu'avoir saisi les concepts fondamentaux. Si quelque chose que je comprends pas se produit, je m'en remettrai à votre expertise. T'inquiète pas, le bleu, je te couvre. Si t'as des questions, tu ferais mieux d'aller voir Morgana. Pour en revenir à Madaram, j'arrive pas à croire qu'il envisage d'engager des poursuites. Ouais, je l'avais jamais vu aussi courroucé, je pense qu'il ne plaisante pas du tout. Qu'est-ce qu'il va faire si ça se produit? On n'a aucune chance de gagner.
ça le met, il mettrait certainement pas ses menaces à exécution avant la fin de l'exposition. Donc on a jusqu'au 5 juin. Je doute qu'il prenne le risque d'inconsidérer de salir sa réputation avec un procès durant l'exposition. Bon, bah on n'a plus qu'à provoquer la métanoïa de Madaram d'ici là. On peut pas le laisser nous traîner en justice. On va montrer aux gens qui il est vraiment. Alors, bah du coup, infiltrer le palais, hein. Voir les requêtes. Y a pas de nouveau, hein, on est d'accord. Je pensais qu'il y avait plein de petites quêtes pour les requêtes, mais pas du tout. Allez. En fait, on n'a pas encore décidé dans le cadre d'une nouvelle recrue. Je propose Kitsune par rapport au masque de renard. Ah ouais, ça claque. Tu veux parler de moi? Oh, t'as pas bien le choix en fait. Comment veux-tu qu'on t'appelle? J'aime bien Da Vinci. Non. Comme disait Anne, il y a ton masque et puis cette queue bizarre. Très bien, ça sera Aburage. Bon ben, celui-là, je vais pas le prononcer souvent. Très bien. Il est d'accord? Vendu, Aburage. Non, jamais de la vie. T'as des idées, Joker? Clown. Fox, c'est franchement basique. Et à ce moment, autant prendre Kitsune, hein. Je pense que Fox, il voulait me dire Kitsune, mais... Ouais, non, Kitsune, donc on reste dans le littéral, ça me va. Qu'en penses-tu? T'en penses quoi, Fox? C'est acceptable. Alors, c'est décidé en route. Bon, du coup, c'est Fox. Bon, je préférais Kitsune, hein, mais... En fait, à partir de maintenant, on devrait laisser le Joker décider de l'équipe de départ. Oui, c'est ça, le souci. L'équipe de départ, tu veux dire ceux qui vont partir en premier? Ouais, maintenant que Fox nous a rejoints, on est trop nombreux pour se déplacer en groupe. Vu comment on a fonctionné jusqu'à maintenant, on devrait être 4 au départ et les autres en renfort. Je suppose que notre chef doit toujours être là avec nous, c'est bien ça? Exactement, c'est pour ça que le Joker doit choisir les 3 autres. Et que vont faire les renforts? Il faudrait mieux qu'ils restent à l'extérieur du palais? Non, ils devraient rentrer aussi, mais se tenir à distance du groupe principal. Autrement dit, l'équipe de départ, c'est la première ligne de notre force d'infiltration. Bien, je te laisse choisir l'équipe, Joker. Bah oui, maintenant on va être obligé. Et du coup, c'est dans Stat. Groupe. Ah, d'accord. Écoutez, on va pas prendre Morgana. Tu veux changer l'équipe de départ, ça me va. En fait, reste ici. D'accord, n'hésite pas. Ok, alors. C'est ça, hein, ouais. Par contre, ouais, du coup, ils apparaissent bien là. Tiens, coucou toi, tu veux parler? J'ai encore la tête qui tourne. Mais je sais ce que l'on doit faire. Continuons le Joker. Allez, allons voir ça. J'espère juste qu'il... Ça, c'est toujours aussi impressionnant, ça. J'espère juste que les autres continuent à XP pendant ce temps. Cool, la sécurité est toujours désactivée. Grâce à mon travail acharné. Que veux-tu dire exactement? T'inquiète pas pour ça, allez, on continue. Ok, donc, oula, ah oui. Direct. Allez, on commence directement par un gros emmerdeur. Nickel. Ah oui, non, là il faut que je switch, voilà. Je
peux pas faire autrement, donc assaut général. Ok. Ça lui fait presque rien, mais bon, c'est toujours ça de pris. Ah, lui, il a de la glace, tiens. Et là, maintenant, lui, il a frayé. Ah, un nouvel assaut. Eh, franchement, hein, on voit la différence, là. Ouais, je vais le finir. Voilà, ça marche bien, ça. Ça marche. Allez, encore un loot. Et on baisse la sécurité. C'est pas ça, c'est le bouton que je voulais. Là. Se dépliant. Tu penses que ça pourrait être une autre brochure? Prenons-la avec nous. Ah, c'est une carte. Les broches... Cette brochure n'est pas différente de celle qu'on a eue jusqu'à présent. T'as raison, il est écrit que c'est la seconde des deux moitiés. Alors ça doit être le... Et alors ça doit être le... Alors ça doit être le reste de la carte. Maintenant, on peut l'utiliser pour découvrir l'emplacement du trésor, non? Je suppose qu'il doit se trouver dans un lieu le plus reculé du château. Si c'est le cas, il est probablement dans le hall principal. Ici. Ah bah du coup, c'est pas dans l'endroit le plus reculé, le hall principal. On va devoir traverser le salon et la galerie pour y arriver. Plus on s'enfonce dans le palais, plus la sécurité est renforcée. On va devoir faire attention. Alors attendez, parce que moi, je veux bien vous me foutez une carte là, mais laissez-moi la comprendre un petit peu. On a encore un peu de boulot. Mais plus tant que ça comparé à ce que je pensais. Il y a des trésors de l'autre côté. Tiens, il y a un truc à récupérer là. Là-bas aussi. Écoutez, ça fait des sous, hein. Moi, je prends. Oh, bah regardez. Une paire de renaissance. Et hop, un trésor en plus. Eh, eh, voilà, allez. Ah! Ah, alors attendez, comment ça marche, ça, déjà? Oui, il faut le défoncer. Il faut le défoncer. Ouais, il résiste, hein. Il attaque pas, hein, donc il faut juste se défoncer. Je sais pas s'il y a un truc particulièrement efficace contre... Ah! Oh, très bien, ça. Un assaut. Ah, on a peut-être une chance de le vaincre. Ah bah, Ryuji. Ah, ça c'était classe, ça. Ah oui! Bon, l'XP, non seulement il en rapporte pas mal, mais il rapporte pas mal de sous, hein. Nouvelle compétence, elle apprend, je sais pas trop, par contre, il y a une autre compétence, attendez, détail, là, annule les bonus de salle des ennemis, d'accord, et là, dégâts de feu moyen sur un ennemi, sur un seul, donc ça, ça vaudra plus le coup, quoi, dégâts de feu léger. Ok, très bien, ça. Ah, bon bah de l'autre côté alors. Ils sont loin. Ils sont loin les cocos. Ah, il y en a un qui se rapproche. Non. Ah. J'ai l'impression que je risque de les toucher sans les faire exprès. Faut faire gaffe en passant, ok. Ouais, faut surtout les voir en fait. Et ne pas se faire choper par les gardes. On peut nous voir là? Non.
Il nous voit pas à travers les rayons, apparemment. Écoutez, hein, on va attendre que l'autre y revienne. Allez, reviens, toi. J'avais pas le choix, là. Je vois pas comment je peux faire autrement. Ils sont nuls, ces deux-là, vous aurez facilement. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas là, mais il continue à commenter. Wow. Ok. Je veux un qui a du heal. Ah. Y a pas besoin. Faut vraiment que j'utilise mes points de mana uniquement quand il y en a besoin parce que ils se rechargent pas. Et c'est vite problématique. Voilà, par exemple, là on a 44 d'XP et l'autre il nous a rapporté 300 quoi. C'était bon ça. Alors ici on peut pas. Là, il y a un piège. Là. Avant qu'il nous chope, ça nous évite de monter le niveau. Il y a vraiment certains monstres qui ont une tête. Voilà quoi. Ils ont une tête quoi. Bien ça, c'est bon. Allez. Ah. Je me rends. Bah écoute. Jack Frost. Ah bah, il m'en fallait un Jack Frost. Il me fallait un Jack Frost qui avait un truc particulier. Je sais plus ce qu'il fallait. Faudra que. Il me fallait un Jack Frost qui avait un truc particulier. Bah écoute, on verra. Hein. Pour l'instant. Oula. Ah là je peux glisser dessous. Mais je peux pas accéder hein, au trésor. Ok. Je suppose qu'il faudra revenir plus tard. Par là. Non. Glisser. D'accord. Et ça m'a avancé. Pas des masses, hein. Il faudrait que je puisse aller là-bas. De toute façon, tout est fermé de l'autre côté. Il n'y a pas... Il y en a un, aucun où il y a le passage qui est libre. Ok. On va passer par là. En fait. Hop. Et là, on en a un qui monte la garde. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Il y en a un qui a l'air balèze, là. On a déjà vu des comme ça. Sa manière de se tenir laisse penser que c'est pas un adversaire ordinaire. Je pense que la salle de contrôle est derrière lui, il doit la garder pour que personne n'approche. En revanche, on va devoir désactiver la sécurité. Oui, bah oui, oui. Forcer le passage semble être notre seule option. On peut pas le surprendre à lui. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Alors ça sort de question. Ah, c'est original, je sais pas ce que c'est, mais c'est original. Bonus attaque. Ah. Je vois des traces violacées dessus, mais j'arrive pas à savoir si... Non, c'est pas... Ah, attendez, on attaque lui. Tac.
Ah bah il s'est fait mal tout seul, nickel. On finit celui-là. Il a plus d'alliés. Ah, d'accord. Bon bah on va se contenter d'attaquer celui-là. Hein. On peut le défoncer avec juste les armes comme ça. Très bien. Il n'a pas l'air particulièrement de craindre effectivement ses armes. Putain, il faut vraiment que... qu'on concentre le pouvoir du vent. Et là, c'est plus toi, je pense que tu peux le finir là. Voilà. Ah oh, bah Anne elle est partie toute seule là, Anne elle a décidé que elle se laisse loter maintenant, c'est bon on déconne plus. Hein. 425 vues, hey, ils m'ont rapporté autant. Média, c'est quoi ça? C'est un média et c'est violet, c'est marrant, j'ai jamais... Oh, l'XP. Ok, et donc Morgana continue up, ça c'est bon ça. Nouvelle compétence. Saccage. Ouais c'est une attaque physique. Ok, une attaque de vent. Ok. Ce mec était balèze, je suppose qu'il était au niveau du, qu'il était au niveau de ce palais. Il était à un niveau bien différent de celui des autres ennemis. Bof. Il a fait tomber une sorte de carte. Les cartes de compétences, c'est un objet spécial permettant d'enseigner une compétence donnée. Ah d'accord, média, c'est une compétence effectivement. On peut employer cette carte que sur les personnages possédés par la police. Elles ne peuvent servir qu'une fois. Utiliser. Ouais, c'est les CP quoi. Ça sert à quoi? J'ai jamais rien vu de tel. C'est pas juste une sorte de butin. Reprenons notre exploration. Mais déjà, je sais plus à quoi ça sert. Je crois que c'est pour un heal généralisé. Ouais, je crois que c'est ça. On dirait qu'il s'agit de la salle de contrôle de la salle de contrôle de la sécurité. Cool, enfin on pourra éteindre ce merde. Saisir le mot de passe. Encore un. On va devoir trouver quelqu'un qui connaît. Nickel. On a tué tout le monde dehors, donc ça va être pratique. Ah, un gros verrou. Mais regardez l'autre. Bon, c'est une arme pour lui en même temps, donc c'est bien. Une bien belle arme que nous avons découverte. J'aimerais bien l'essayer. Vas-y. Elle me va magnifiquement bien. Quelle trouvaille. Je vais juste vérifier qu'effectivement, elle est mieux que celle que je t'ai refilée quand même. C'est bien, du coup j'ai dépensé 10 000 pour rien. Ouais, bah, ouais, elle est mieux que celle que je lui ai achetée, c'est bien. Bon, quelqu'un qui connaît le mot de passe. Ah bah y'a quelqu'un qui a pop là-bas. Ah on va pouvoir les entendre. Apparemment les intrus ont réussi à déjouer la sécurité du jardin central. Ouais, on m'a appelé tout à l'heure pour changer le mot de passe ici. Et t'as mis quoi? J'espère que c'est pas trop simple. J'avais pas trop d'inspiration. Pour le moment j'ai mis les chiffres des pieds de Madaram. Les pieds du seigneur Madaram? Mais de quoi tu parles? Reviens-nous au travail. Il est possible que les intrus... Bon alors j'espère que tu connais la pointure de ton maître. Peut-être de sa pointure. Tu connais la pointure de cet enfoiré? Malheureusement, il n'a jamais parlé devant moi. Vous êtes sûr qu'il s'agit de mon mot de passe? Les pieds de Madaram, qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire? Des pieds de Madaram. Il y a une statue à l'entrée. Il y a peut-être des codes dessus. Attendez, on va voir si eux-mêmes ils déclenchent quelque chose, sinon. Ça se trouve, je vais pas chercher dans tous les sens. Alors. On peut rien faire tant qu'on n'a pas le mot de passe. Le garde a dit un truc à propos des pieds de Madaram. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, donc non, on est bien obligé de chercher nous. J'aurais tendance à aller voir la statue à l'entrée. Hein. Les pieds de Madaram. Écoutez, on va faire ça. Ah oui, pour TP, je suis obligé d'aller dans les...
Là, c'est fermé aussi. Hop là, on peut le surprendre. Sinon, tu veux pas nous donner le mot de passe? Oh! Waouh! Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je n'ai pas suivi ce qui s'est passé, mais par contre, on a celui-là à défoncer en premier. Voilà. Allez. Pouf! Allez, c'est réglé. La feuille se... Ouais, tac, 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 ok. Ah bah là, on a une statue de Madarame aussi. Voilà. Il y a quelque chose d'écrit. En ce lieu, nous rendons grâce à notre seigneur Hiroyuchi Madarame, l'unique espoir de ce monde dépravé. Il est le seul, avec ses deux mains, qui peigne le futur. Personne ne pourra jamais l'égaler. Pouh, il est vraiment en train de se cirer l'ego. Hein. Attendez, ça ne pourrait pas être ça, les pieds de Madarame dont le garde parlait? C'est à ses pieds. Ok, d'accord, mais le mot de passe, c'est pas censé être un genre de nombre. Mais je pense qu'il y a des nombres. Unique, c'est le seul. Avec ses deux mains, personne ne pourra l'égaler. Ça veut dire... 1-0-2. Ouais, 0. Ouais, ça doit être ça. Cool, on retourne en désactiver. Voilà, je voyais bien une statue dans l'histoire, mais... On peut pas se cacher derrière la plante, là? Un tutu. Oh bah, vas-y, fini. Hein. Il faudra que je vois si mon Jack Frost que j'ai capturé suffit ou pas. Toi, si je peux te capturer, ça serait une bonne nouvelle. Non. Hein. Ça a XP le mien, quoi. Ok, on a la sécurité au plus bas, c'est bien. Enfin, elle est à 4, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça va. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Et sinon, le mot de passe qu'on a trouvé. Code valide, désactivation du protocole de sécurité. Ah, c'est bien ça! Voilà, on y voit plus clair! Waouh, ça ouvre tout un tas de trucs. En vrai, on pourra aller dans d'autres endroits maintenant. Allez, on avance. Ah, bah, du coup, ça, oui. Ah, ça va pas désactiver cette sécurité-là par contre. D'accord. C'est dommage. Ni cette sécurité-là. Ah, c'est doublement dommage. C'est embêtant. Il n'y avait pas une autre sécurité à virer là? Non, il n'y a pas rien d'autre. Ok. Ah, ceci dit, oui. Là, du coup, par contre, ils sont plus sécurisés. C'est verrouillé. Oui, bah, j'ai bien fait de faire des kits de crochetage. Il faut que j'en refasse. J'adore sa tête à l'autre derrière là. Cette espèce de fouine. Par contre, on est d'accord que les objets là que j'ai récupérés au. Tac tac tac. Ça. Non, c'est pas ça. Ça. On monte l'attaque pendant 3 tours. Ouais, d'accord. C'est juste des trucs temporaires, on est d'accord. Je voulais être sûr que j'avais pas raté un buff à mettre. Ouais. Bah, ça, c'est toujours pas ouvert. Et là-bas, je peux pas y aller. Du coup, en fait, on a rien ouvert du tout. Attendez. C'est quoi le bordel?
On doit pouvoir accéder là-haut, non? Attendez. Pour moi, les deux Antilles, elles sont toujours fermées. Mais il y a un truc là-haut. Il manque quelque chose, hein. Parce que là... Il y a toujours les lasers. Je peux toujours pas y aller. Je peux pas monter. Je peux monter? Non, je peux pas monter. Là, ce serait bien de pouvoir monter. Ça m'a libéré cette porte. Donc forcément, il y a quelque chose à régler de ce côté. Ah, tableau géant. Peut-être un truc. Ce tableau est gigantesque. En effet, c'est une étrange texture aussi. C'est un peu comme si on pouvait tout simplement y entrer. Mais qu'est-ce que... Ma main, elle est entrée dans le tableau. On peut y entrer? Je vois aucun autre chemin. Allez. Comment osez-vous souiller mon jardin de vos pieds gracieux? Vous allez le payer très cher. C'est quoi ça? C'est sûrement les pensées de madame qu'on entend. Pas la peine de paniquer. Madame. Ah, c'est marrant. On est dans un nouveau tableau. Cet endroit ne se compose pas d'un, mais de plusieurs tableaux. T'es en train de me dire qu'ils sont tous reliés entre eux, mais ils mènent où? Pour le savoir, il va falloir continuer à avancer. Joker, tu pourrais peut-être utiliser tes compétences pour nous aider. Sauter en dehors du tableau. Hop. Voilà! Il a le culot de nous traiter de crasseux. L'homme qui a profané la nature, même de l'art, n'a aucun droit de nous insulter de la sorte. Détente, reprends-toi, il faut continuer. Ok. Ah, non, ne saute pas, s'il te plaît. Ça, c'est un bout... Ah, oui, d'accord. Tac. Et là, on va passer par là. T'as pas intérêt de mater. De quoi tu parles? Alors, autant quand elle dit... T'as pas intérêt de mater, lui il réagit. Oui, bon. Et là, c'est Ryuji qui dit à Yusuke de pas mater. Hein. Mais si tu veux, Ryuji, je sais bien que Yusuke est un artiste. Mais il a l'air quand même beaucoup plus intéressé par elle que par Anne que par toi. Hein, c'est... Ok, allez, on arrive sur une salle là. On a une sécurité juste derrière. Attendez, on va passer par là. Histoire de surprendre l'autre. Voilà. Et on va aller dans le poste de secours pour sauvegarder. Faudrait que j'aille voir si mon Jack Frost correspond à ce qu'il voulait déjà. Histoire que je sache si je dois en chasser un autre ou pas. Je sais plus quelle compétence il voulait que j'ai, donc... Allez, un de moins. Il se barre. D'accord. Ça peut être vachement compliqué, des combats comme ça, parce que bon, je suppose qu'il va revenir, techniquement, au bout d'un moment, mais... Skull qui se barre. Là, c'est fermé, mais on va ouvrir. Et du coup, ça ramène à l'autre. Ok. Voilà. Ok. Et là-bas, c'est ouvert. On va aller là. On va regarder. On pourrait utiliser cet endroit. Ah! On est à côté de la salle du trésor, donc. Non, parce que là, ils appellent ça salle du trésor, quand même. Hein, je... Ok, ok. Tous ces tableaux étaient peints par les apprentis de Madame et ils se prétendent artistes. Tant d'apprentis se sont fait piéger par ce charlatan, mais je vais mettre un terme à tout ça. On va retourner à l'entrée du musée, nous.
voir si ça correspond. Je sais pas même pas ce que ça m'apporte si je rapporte le bon truc. Je suppose que du coup j'ai pas ce qu'elle voulait parce que. Je suis gagné au 17. C'est quoi ça? Ah ah, ça a l'air intéressant. J'avais combien là? J'en ai 8. Je peux en avoir que 8. Hein. Donc il va falloir que je le sacrifie. Et pour la pixie, là il me faut quoi en deuxième? Le chien! Sauf que. Ah oui, d'accord, c'est bon. Elle garde. Elle garderait. Ah! Elle pourrait garder. Alors déjà. Attendez. Elle a lui. C'est lui le. Ouais. Ouais, elle est intéressante. Et c'est pas ce buff là qu'il voulait qu'il ait. Je sais plus, attendez. Non, je n'ai pas terminé. Voilà. On n'a pas eu une histoire requête. Non, ça va pas être en requête. Ça va être trop. On doit bien avoir un truc où c'est marqué quelque part ce qu'ils nous ont demandé. Parce que si c'est juste qu'il faut que je fasse XP l'autre, ça peut se faire. Je sais pas. Peut-être là-dedans. Il est où Non, ça nous en dit pas plus. Hein. On pourra, si on améliore notre relation avec lui, on pourra avoir plus de trucs. Ça c'est bien. Enfin, plus de personnes. Bah écoutez, on va sauvegarder ici, hein. De toute façon, je comptais arrêter la vidéo. Donc on va sauvegarder ici, je vais aller voir sur internet si c'est quelque chose de précis ou si c'est un truc aléatoire qui demande, comme ça bah, je saurai exactement. Et puis bah voilà, parce que là je ne trouve pas où c'est marqué. Je suppose que ça va être marqué quelque part, mais vu que il me parle pas, je suppose que du coup j'ai pas les bonnes choses. S'il faut juste que je l'XP, autant que je le garde et je le garde en compagnon le temps de l'XP. Bon après c'est pas rapide à XP. Hein. Je sais pas quel niveau il est. Ça sera un niveau. Si je me souviens bien. Ouais, il y aurait un niveau à gagner si c'est Bafoutou. Baboufou. Et moi, pour moi, Baisoudi, ça me dit bien. Bon, au pire, il y aurait un niveau à gagner. Donc je vais. Ouais, et puis bah après, je le fusionne pour créer l'autre. Au pire, on perd le chien, mais on aura, on gardera la, on aura un heal de groupe et l'attaque nucléaire. Voilà. Ok, et ben écoutez, on s'abandonne pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Allez, à toutes.